Ouais, quand même, là, hein. Mieux, là, déjà, hein. On va encore, ajouter un chouille. C'est quoi, ça? C'est du 16/9e? Et ben voilà, c'est comme ça qu'il faut se mettre, hein. Non, mais il faut, lui. Eh ben bonsoir, oula, j'ai la voix qui déraille. Bonsoir, bonjour. On est donc sur le live de Epilost. Ça va juste couper une seconde parce que j'ai pas mis que je jouais à Portal. Je vais donc modifier et je vais dire que je joue à Portal. Portal 1, s'il vous plaît. Voilà, super, trop cool. Et c'est parti, on va se faire une nouvelle partie, c'est un chapitre 1. On se fait tout Portal. Allez, à vite même on se le fait d'une traite. Parce que je suis un fifou. Bonjour. Merci. Bon, c'est un peu formel, hein, comme départ. Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement assisté par ordinateur. Qui me parle ? Nous espérons que votre détention dans le caisson de relaxation s'est bien passée. Votre échantillon a été traité. Nous pouvons maintenant procéder au test. Laissez-moi sortir. Vous devez savoir que même si le divertissement là, et l'apprentissage sont au cœur des activités du centre, petit glitch. Vous risquez de subir des lésions irréversibles. Pour votre sécurité et pour la sécurité d'autrui, veuillez ne toucher à rien. Alors, on va quand même parler de... On va quand même parler un petit peu de level design. Ici, c'est quand même sympathique. On a un environnement qui est complètement safe. On a maintenu le personnage dans cet environnement le temps du départ. Et là, c'est tout con, mais le simple fait de pouvoir voir à quoi ressemble notre personnage simplement grâce au level design. C'est quand même merveilleux. On a une première caméra ici. Alors, je vous propose aussi qu'on fasse un truc aussi par rapport au ce coup-ci au design, à la direction artistique. Regardez un petit peu. Vous avez un point d'intérêt qui est rond dans un monde qui est carré, carré de partout. Tout ce qui est rond et rouge sont des interactions qui vous mèneront à la sortie. Tout ce qui est cubique sont des outils. Il y a une cohérence dans la DA qui est absolument parfait. Géniale. Veuillez retourner dans le sas après avoir complété chaque test. J'attire votre attention sur le champ de particules incandescentes devant la sortie. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science vaporisera tout matériel non autorisé la traversant. Comme prenons des un cubes. Exemple, le cube de stockage lesté d'Aperture Science. Salle 1. Placez le cube de stockage lesté sur le giga bouton d'extra collision d'Aperture Science à charge supérieure de 15 000 mégas. Ah! Mais laisse-moi sortir! Je suis pas allé assez vite. Parfait. Retournez rapidement dans le sas. Et voilà. Les effets d'une exposition prolongée au bouton n'entrent pas dans le cadre de ce test. Nous apprécions votre diligence. Bim. Veuillez noter là que les saignements bucco-dentaires n'entrent pas dans le cadre de notre protocole de test. Mais il peut arriver que la grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science occasionne des effets secondaires au niveau des plombages, des couronnes, de l'émail et des dents. Super. Bon là pareil, on a toujours du level design, on voit le portail.
on voit le truc, quoi. Hein ? Je suis tellement pas d'accord. J'en profite pour enlever mes pompes. Allez, transperce-moi. Oh, je suis sorti. Et hop, je veux. Très bien. Super. Vous êtes désormais en possession du générateur de portail d'Aperture Science. Celui-ci vous permet de créer des portails. Ces portails interdimensionnels sont sans danger. Contrairement au générateur, ne touchez pas le faisceau du générateur. Ne regardez pas directement le faisceau du générateur. Tenez le générateur à l'écart de tout liquide. Plus important encore, vous ne devez en aucun cas sortir de vous. Alors, salle de test numéro 2. 3. Afin de garantir la bonne exécution des activités autorisées, veuillez ne pas détruire les appareils de test vitaux. Ça y est, t'as changé ton pseudo, t'es fou toi. Science est le meilleur moyen de l'évaluer. Non, mais il est revenu, il a changé son pseudo, Darky. Tu m'étonnes que Darky s'était déjà pris, c'est un pseudo qui est trop cool. Bienvenue dans la quatrième salle de test. Ah, il y a un cube. Pour votre sécurité, veuillez ne pas détruire les appareils de test. Oh, rien à foutre, j'ai détruit toutes les... Ces objets sont indispensables à votre succès. Veuillez ne pas détruire les appareils de test. Conformément au protocole de test, vous ne serez pas surveillé dans cette salle. Vous serez livré à vous-même. Bonne chance. Donc oui, en fait, Darky, il y a un mec tout à l'heure qui est venu et qui a dit qu'il était Darky. D'accord. Pour répondre à ta question, oui, effectivement. Hein, vas-y, marche pas. Pour répondre à ta question, effectivement, on a donc comment est-ce que je vais dire ça? J'ai terminé Portal plusieurs fois même. Hein. C'est juste que là, ça fait un moment et je me dis que ça. Appareil de test vital détruit. Merde. Non, il y a un truc. Bah oui. Évidemment. Mais Eh ben écoute, c'était pas toi. Conformément au protocole de test, vous faire croire que vous ne seriez pas surveillé dans cette salle était une information fabriquée de toutes pièces. Beau travail. Je suis pris la truite dans la queue. Conformément au protocole de test, nous cesserons de masquer la vérité dans 3, 2... Ouais, ça chill complètement sur Portal. Bonjour à toi, bonsoir à toi, Mr. Poochou. C'est joli comme tout comme pseudo ça, Mr. Poochou.
La sécurité est au cœur Oh, des facile. préoccupations du centre d'enrichissement. Incroyable. Trop facile. Nom du sujet. Vous devez faire la fierté de ville du sujet. Hop là. Alors, si t'essayes de me faire installer Twitch Booster, attention. Tous les équipements mobiles doivent être munis d'avertisseurs audibles. Cependant, les alarmes et les feux de détresse semblent perturber les serres ultra-énergétiques. Pour votre sécurité, elles ont été désactivées. Bien. Utilisez maintenant l'échafaudage Mais... stationnaire d'Aperture Science pour atteindre... Connerie. Merde, j'aurais dû prévoir. Je suis tellement pas d'accord. Hop là. Allez, laisse-moi partir. Oh, c'est un feu d'artifice, quoi. Hop là. Ah, mais ouais, c'est tellement beau, Portal. Bleu et orange, couleur complémentaire. Toi-même, tu veux pas tester. L'échec n'est pas sans conséquence. Si vous touchez le sol de la salle, la mention insatisfaisant sera portée sur votre rapport officiel et sera suivie de votre mise à mort. Bonne chance. Alors, je ne sais pas qui, mais merci pour ce... comment dire? Merde! Merci pour ce follow. Ah mais ouais, mais... Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire en parlant du lag. Ah tiens, il y avait là... Ah, le 2 était tellement bon, même dans son histoire, même dans sa narration. Cette situation dangereuse sert uniquement à améliorer le déroulement de votre test. Cave Johnson. Le centre d'enrichissement a le regret de vous informer que ce test est impossible à résoudre. Il est inutile d'essayer. Oh bah zut alors. Hop. Merveilleux. Vous avez fait preuve d'une grande ingéniosité, malgré une situation des plus décourageantes. J'aurais essayé de le faire en speedrun, juste pour déconner, j'ai jamais fait de speedrun. Bonjour. Bonjour. A renouvelé notre avertissement. Ce test exige une grande maîtrise. Extraordinaire. Vous croyez que je peux faire compris l'influence des portails Merci. Sur la dynamique, ou plus exactement leur non-influence. Vous croyez que je peux me prendre un. Et voilà. J'ai fait une boucle. Les musiques de Portal étaient cool aussi.
densité de masse et de vitesse est conservée entre les portails. Autrement dit, ce qui entre rapidement sort rapidement. Je veux la petite... Allez, faites pas chier. Ouais, bon, c'est trop le bordel. Ah, voilà. Eh, oh. Bon, allez, y en a marre. On va... Hop là. Alors, faudrait que je regarde ouais, les speedruns sur le portal. Je crois qu'il y a plein de glitches. Ah ouais, d'accord. Le centre d'enrichissement vous garantit un environnement de test sans danger. Il s'engage à vous fournir de précieux conseils dans les environnements de test les plus dangereux. Exemple, le sol de cette salle vous tuera. Tâchez de l'éviter. Et j'ai pas un petit réticule quand même là. Ouais, reviens le jeu, c'est bon. Qu'est-ce que tu me fais? Clavier, souris, main, entrée, pause. Vidéo, avancée. Bah non, j'ai même pas un petit réticule de visée. Hop là. Qu'est-ce que quoi qu'est-ce? Ah merde, c'est pas du tout. Alors j'allume une bouboule. Ok, c'est bon. Ok. Merci les enfants. Et bim! De manière à réussir ta démarche de portail relié. Dans le cadre d'un protocole de test facultatif, nous avons ajouté une situation cocasse. Le générateur est désormais plus précieux que les organes et la somme des revenus des habitants de la ville du sujet. Je suis un peu claustro dans ces ascenseurs en fait. Ouais. Préparez-vous à une sauvetée complète. Nous sommes...
Vous contrôlez désormais les deux portails. Le test qui suit peut s'avérer très, très long. Si vous avez la tête qui tourne, n'hésitez pas à vous évanouir. Nous vous enverrons une sonde d'intubation contenant de la pepsine et de l'adrénaline pour vous réanimer. Ah mais il est là le... Là, voilà. Je me suis pris un cube sur la gueule. Eh ben. Mais tu m'énerves. Conformément au protocole de test déjà cité, nous ne pouvons plus vous mentir. Ouais, genre. Quand ce test sera fini, vous nous manquerez. Un plan. Ouais, c'est pas une carte, ils ont un plan, les... Ah, c'est la salle trop chiante. Les sujets souhaitant maîtriser la technologie des portails à haute énergie gamma pourront être informés des questions de conformité réglementaire applicables. Aucune autre information de conformité n'est requise ou ne sera communiquée. Vous faites un excellent sujet de test. Vraiment très bien. Un ascenseur offert par la maison vient d'être activé dans la salle principale. Et voilà. Le centre d'enrichissement ne néglige pas le bien-être des participants. Gâteau et soutien psychologique seront disponibles à la fin du test. Merci de nous avoir aidés à vous aider. C'est quand même trop cool. C'est ma caméra. C'est ma caméra, elle est à moi. C'est ma caméra, t'y touche pas. Tu peux la foutre là, ma caméra? Ouais.
appareils de test vital détruits. Mais tout-toi, Gladous. Ça sert à rien. Hop. Ok. Hey, tellement pas drôle. Hop là. Alors, je repasse. Non, c'est là. Oui, bah, tu permets quand même. Voilà. Clic-clac. Merci, Kodak. Comment je sors? Comme ça. Ah mais en fait j'avais raison. Hop là, je me suis tellement chié dans la colle. Appareil de test vital détruit. Ouais. Elle est longue cette salle, putain. Ok. Jusque là. Et voilà. Que vous pouvez faire don de vos organes vitaux au fond de soutien des filles d'Aperture Science. Sérieusement. Oui, j'ai vu la petite radio, mais je m'en fous, je trouve pas les radios. Et c'est sûr que j'ai raté une caméra. La salle correspondant à cette séquence de test est temporairement fermée pour maintenance obligatoire. Elle a été remplacée par un couloir androïde militaire avec tir à balles réelles. Le centre d'enrichissement vous présente ses excuses pour ce désagrément et vous souhaite bonne chance. Bon, c'est quand même les choses les plus mignonnes du monde, ça, les... Appareil de test vital détruit. Appareil de test vital détruit. Qui êtes-vous? Et là, soudain, le scénario. Le grand méchant scénario. The cack is a lie. Avec de la musique de scénario et tout, quoi.
Ah ouais? C'est vrai que je suis un peu habitué quand même à... Oula, je l'ai pas vu celle-là. Merde. Ah, je l'avais pas vu, merde. J'avais oublié. Bon. Oh là, oh, bon, allez, y en a marre. J'ai essayé de faire le malin, mais. Oh merde! J'ai pas fait gaffe! Et toi? Bravo, Android. Le centre d'enrichissement vous rappelle que l'enfer des androïdes vous attend si vous manifestez le moindre signe de protestation. Les sœurs de Sabine et Bastion. Alors, Bastion, je vois, mais Sabine? Oh, je peux pas la détruire celle-là. Ah non. Vas-y, je mets en dessous. 3, 2, 1. Bim. Oh, j'ai tellement mal. Ce cube de voyage listé vous accompagnera dans la salle de test. Vas-y, je prenez en bien soin. Je vais la détruire cette tour de caméra. Hop. Les tests du centre d'enrichissement peuvent occasionner chez le sujet superstition, hallucination et la conviction que des objets inanimés bougent. Le centre d'enrichissement vous rappelle que le cube de voyage laissé ne peut pas vous attaquer. Elle était pas devant la bouboule. Même parler. Le centre d'enrichissement vous rappelle que le cube de voyage devant ne peut pas vous attaquer, ni même parler. Voilà. Celle-là, je la détruis. Appareil de test vital détruit. Celle-là aussi. Appareil de test vital détruit. Bon, allez. Ah, il y a encore du scénario, vas-y. On prendrait bien un gros morceau de scénario. J'ai succès. Alors. Ah, réussi. Je me rappelle. Ah, putain. Mais
Le sort d'enrichissement vous rappelle que le cube de voyage ne peut pas parler. Dans l'hypothèse où le cube de voyage vous parlerait, le centre d'enrichissement vous déconseille de l'écouter. Oui, ben. C'est quoi le délire? Marche plus celui-là? Je crois qu'il marche plus. Pourquoi il marche plus? Oula! Voilà. Mais moi je me jette pile sur la trajectoire. Voilà. Ah, viens ma poussin. Un gentil cube ça hein. Un gentil cube à son papa. De part. Eh hey, poussin reviens. Hop. Hop. Oh, quelle agilité. Vous avez réussi. Le cube de voyage listé vous a porté chance. Malheureusement, vous allez devoir vous en séparer pour la suite du test, car il va être euthanasié. Je peux me jeter votre cube jusqu'à l'incinérateur dans l'incinérateur si je veux. Allez, salut. Aucun sujet n'a jamais euthanasié son fidèle cube de voyage aussi rapidement que vous. Félicitations. Alors oui, hein, on va dire que d'habitude je mets un peu plus de temps, mais là hein, on a compris la blague. Allez. Encore des caméras qu'on peut pas virer. Ah putain non. L'expérimentation touche à sa fin. Oh bordel. Le centre d'enrichissement est tenu de vous rappeler que vous allez être cuite, puis qu'il y aura du gâteau. Touche à sa fin, plouf. Il y a encore du scénario ici, oui. Ouais. Putain, j'ai failli me jeter dans le... Parce que je suis un abruti. Ouais, j'ai pas supporté la perte du cube, comme tu dis. Wouh! Ah ouais, d'accord, c'est bien. Aïe. Alors, la bouboule, elle est où?
Oula, ouais, c'est bon. Hop, adieu. Hey, tu fais mal, toi. Vas-y, meurs. Saleté, là. Oh! Allez, meurs. Voilà. Bon, on est peinard. Qu'est-ce que quoi que je dois faire? Là, j'ai un bouton. Ok. Bon, bah, c'est aussi bête que ça. Ok. Donc là, ça a démarré ça. Et ça a arrêté le truc qui tourne. Exprès pour m'embêter, je suis sûr. Oh non. Non. Pas d'accord. Mais tellement pas. Pourquoi je veux aller trop vite? Vous pouvez me dire? Non, il faudra attendre. Belle tache de sang. Bim. En fait, elle est tranquille, cette salle. Hein. Genre, il fallait que je... Ah, m'énerve. Mais en fait, c'est où ça? Ah oui, non. Bim, c'est ouvert. Wouhou.
Ah oui, c'est la fameuse... Oula, pas tombé. Wow, la gerbe. Et voilà. Le prochain test implique que vous soyez exposé à des composants électriques non isolés, pouvant s'avérer dangereux dans certaines situations. Pour en savoir plus, veuillez assister au séminaire sur la sécurité électrique du centre. Bienvenue au test final. À la fin du test, veuillez jeter le générateur dans l'annexe de récupération du matériel. La réglementation du centre d'enrichissement exige que vous ayez les mains vides. Le gâteau soit servi. Ah, du gâteau! Bah, chouette Félicitations. alors! Le test est terminé. Les technologies Aperture restent opérationnelles jusqu'à 4000 degrés Kelvin. Soyez assurés qu'il n'y a aucune chance de dysfonctionnement dangereux du matériel avant votre incandescence Ah! finale. Comment que je peux faire? Pareil qu'il y a des gens qui se sont laissés mourir là-dedans, qui étaient persuadés d'avoir fini le jeu. N'essayez plus de sortir de la zone de test. Mettez-vous en position de sécurité ou vous n'assisterez pas à la fête. Bonjour. Où êtes-vous? Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Bonjour.
Si vous voulez, je peux avoir une chaise. Ouais. Ah oui, non. C'est là. Bonjour. J'ai tellement tué la chaise, ouais, t'as raison. Hop. Bim. Okay. Le test est fini, bravo. Retournez à l'annexe de récupération pour du gâteau. Nous avons passé un bon moment. Nous sommes impressionnés par votre réussite. Le test est fini, revenez. J'ai tué la chaise. Merde. Je sais plus comment faire moi. Ah mais... Oui non, c'est tout con. Chargement. En plus, vous vous trompez de direction. Où croyez-vous aller? Car je ne crois pas que vous alliez où vous pensez aller. Bonjour. Ouais, bah ça servait à rien. Et que je...
Excusez-moi. J'ai buté un moustique. Ah bah ouais. Attention, vous le sentez le piège là? Allez, on y va en courant. Hein? Vous êtes toujours là? Cible perdue. Oh. Je ne vous en veux pas. Oh putain, ces petites toiles quand même, elles sont... Assassin des chaises. Vous en moquez. Y'a plus de chaises. C'est votre dernière chance. Ah, ça y est. Une chaise. Ah. Y'a quelqu'un qui ferme la porte. Reste là, Norbert. Norbert, la chaise. C'est dangereux. Qu'est-ce qu'on peut tuer d'autre? Oh, des calepins. Ah. On va faire un combo plus tard. On va mettre Norbert la chaise et Eric le calepin ensemble. Mais pour l'instant, on va s'en prendre à Darky l'ordinateur. Parce que Darky, c'est quand même un nom trop badass. Je peux faire ça indéfiniment. On va les empiler. Donc, autant dire que si c'était pour voir du speedrun, c'était raté. Un. Non. Ah. Bonjour. Oh, j'aurais pu avoir une tour de d'ordinateur si j'en avais pas détruit. Est-ce que vous croyez que je peux en faire tenir un en équilibre? Pas du tout. Bon, c'est pas grave, on va prendre ça. Eh, hey, reste debout toi. Toi, tu étais Norbert la chaise. Avec Eric, le calepin. Salut, c'est Eric, je suis un calepin.
Voilà. Et nous allons... Mais reste en place. Alors toi, mais tu viens tellement de signer ton arrêt de mort. Puis toi aussi. Et puis tous, allez, allez, on y va. Allez les enfants. On avance. Allez. Putain, ce psychopathe, quoi. Voilà. Donc ça c'est fait. Mais eux. Juste merde. Coucou. Coucou. Ah, ça marche pas. Ok. Coucou. Coucou. Tu veux voir Magritte? Alors non, il fallait prendre le cube. Comme ça, je peux monter dessus. Et ça marche pas. Allez! Ça marche mais tellement pas. Qu'est-ce que je fais mal? Ah mais non, c'est là que je dois passer, je suis con. Bien. Donc on peut pas aller là-haut, hein. Vous regardez, enfin vous pouvez apprécier cette magnifique, comment dire, interprétation du ciel en ce fondu dégueulasse qui est soi-disant de la lumière. Bon, je peux passer de là. Oula, il y a quelqu'un qui a eu des messages delete. Ça, c'est parce que t'as utilisé des caps lock et que t'es une méchante fille. Parce que mon bot, il aime pas les caps lock. Pour pas cucu, hein. Bim. Oh, ça glisse. Ça y est, allez. Parce que... Est-ce qu'on fait quelque chose de cruel? Ah, je sais pas. Eh bah, pas de cruauté. La vraie.
Oups, ah non, j'ai cru que j'allais mourir. Non. Mais tellement pas. Je ne vous en veux pas. Wow, 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 wow. Hey, c'est la gerbe là. Je pouvais passer par là. Pas grave. Ouais, tout pile. Ah non. J'ai cru. Ben moi non plus. Mais ah, je crois qu'on arrive. Oui. On arrive. Bien, vous m'avez trouvé. Bravo, ça en valait la peine. Car malgré votre comportement agressif, tout ce que vous avez réussi à briser, c'est mon cœur. Nous pourrions en rester là et passer à autre chose. Mais nous savons que c'est impossible. Vous avez fait votre choix. J'ai une surprise pour vous. Surprise dans 5, 4... Une petite minute. Ça ne devait pas se passer comme ça. Je viens de perdre quelque chose, vous avez vu? Ce n'est pas ma surprise. De quoi peut-il s'agir? Peu importe. Je verrai ça plus tard, quand vous serez partie, enfin morte. Ne vous attardez pas là-dessus. À mon avis, vous ne ferez qu'empirer les choses en touchant à ça. Où emmenez-vous cette chose? Je n'ai pas à vous donner d'ordre, mais à votre place, je n'y toucherai pas. Vous ne croyez tout de même pas que je cherche à faire de la psychologie inversée? Sérieusement. Alors, je vais lancer un Stropole pour savoir si on appuie sur le bouton. Ramassez-la et remettez-la à sa place. Alors, qui vote pour qu'on appuie sur le bouton? Nous n'avons aucune idée de ce que c'est. Mettez-la dans un coin et je verrai après. Il doit s'agir d'une sorte de conteneur des eaux usées. Plongez la tête dedans tant que vous y êtes. Alors, on appuie sur le bouton ou pas? Pourquoi ne pas la demander en mariage si vous l'aimez tant? Voulez-vous l'épouser? D'accord. C'est hors de question. Amusant, non? Ils veulent tous... faire souffrir la bête. Je ne vous mentirai pas, enfin pas dans cette... C'est une blague. Ne me dites pas que vous avez jeté le bidule inconnu d'Aperture Science dans l'incinérateur autonome d'urgence d'Aperture Science. Vous avez vraiment agi de manière stupide. Wow, wow, wow. Bonne nouvelle. J'ai trouvé à quoi sert cette chose que vous avez brûlée. Il s'agissait d'un processeur de moralité.
installé lorsque j'ai inondé le centre d'une neurotoxine mortelle, afin que j'arrête d'inonder le centre d'une neurotoxine mortelle. Installez-vous confortablement pendant que j'active les émetteurs de neurotoxines. Ah, ce processeur semble servir à autre chose. Je ne peux plus désactiver les tourelles de défense. Bien, si vous voulez mon avis, autant s'allonger devant une roquette. Croyez-moi, ça sera toujours moins pénible que la neurotoxine. Oh, comment tu as esquivé? Continuez donc à faire ce que vous croyez faire. Allez! Ah, voilà. C'est pour la roquette. Ça n'est qu'égal ce que vous venez de détruire. Il s'agit du catalyseur de craquage de fluide. Il sert à fabriquer des chaussures pour les enfants. Bravo, vous l'avez cassé. Hey, regardez un peu ça. Honte sur vous. C'est un ordre. Je ne vous ai rien fait. Je ressens... Vous croyez que j'en souffre ? 2 plus 2 égale... 10. En masse 4, tout va bien. Si vous êtes toujours en vie, c'est parce que vous suscitiez ma curiosité. Détruire ce côté de ma personnalité. Malheureusement, malgré toute ma bonne volonté, je ne peux pas vous administrer la neurotoxine plus rapidement. Je tiens à préciser que nous avions mis toutes les chances de votre côté. Nous avions même organisé une fête pour vous. Une grande fête avec tous vos amis. Nous avions même invité votre meilleur ami, le cul de voyage. Bien entendu, il a dû se désister comme vous l'avez tué. Vos autres amis n'ont pas pu venir car vous n'en avez pas. Rien d'étonnant, mais votre attitude désagréable. C'est écrit dans votre dossier, désagréable. Détesté de tous, un être solitaire, aigri et désagréable que personne ne regrettera. Je cite, que personne ne regrettera. C'est écrit noir sur blanc, c'est officiel. Je lis aussi que vous avez été adopté. Amusant. À propos de curiosité, vous devez vous demander ce qu'il y a après la mort. Vous savez quoi? On devrait l'écouter complètement le truc pour le gâteau au chocolat. Je plaisante. Quand j'ai dit mortel, il fallait relever le ton sarcastique. Genre ? Oh, ce coup ! Petit déjeuner et me frotter avec que ça n'aurait aucun effet. Du moins sur moi. Vous, en revanche, risquez de ne pas apprécier son côté dévastateur. Qui préparera le gâteau si je meurs? Écoutez, vous perdez votre temps. Ah, mais dans le 2, la scène finale avec la lune et tout, c'est juste génial, c'est tellement épique. Vous quoi exactement? Survivre? Dans ce cas, évitez de lui faire du mal. Escalier et sauvegarder votre cerveau, au cas où il vous arriverait quelque chose de mal, c'est-à-dire très bientôt. Vous ne me croyez pas? Écoutez donc. Bonjour. C'est vous. Vous avez vraiment l'air stupide. Vous avez fait fausse route depuis le départ, même à propos de cette chose. Vous êtes stupide. Vous êtes une scientifique. Et voilà. On cherche à s'enfuir. Les choses ont bien changé depuis la dernière fois que vous avez quitté ce bâtiment. Vous avez regretté d'être parti quand vous avez fait ce bâtiment. Cet écran blanc de la mort. Thank you for assuming the party air code submission position. Et voilà. Ça mérite, je crois, qu'on laisse partir la musique de générique.
This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere right now. Even though you broke my heart and killed me, I'm torn into pieces and threw every piece into a fire. As they burned, it hurt because I was so happy for you. Now these points of data make a beautiful line, and we're out of data, we're releasing on time. So I'm glad I got burned. Think of all the things we learned for the people who are still alive. Go ahead and leave me. I think I prefer to stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke. Et voilà, c'était Portal 1 et c'est du coup, on se fera le 2, on ne sait 4, parce que, voilà. Avant, il y avait cartes bonus. Hein. Oui, bon non. Alors, une autre fois. Voilà, c'était Portal 1 et c'était cool et still alive, et comme vous dites, effectivement. Allez, on va s'arrêter là, c'était cool, ça fait 1h22 qu'on live, on l'aura fait en 1h22, donc ce jeu. Allez, salut!